Devant mon ch... Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Jean, c'est quoi ta musique préférée? Moi, c'est la musique des années 50, donc j'étais à plein nez. Ouais. Donc j'ai vraiment pas connu cette musique, mais avec les années, j'ai commencé à apprécier ça. Donc mon chanteur préféré, c'était, enfin, qui est actuellement, hein, mon chanteur préféré, c'est Nothing Cool. Il y a une chanson, j'ai dit c'est ma préférée, mais il y en a plein, c'est Unforgettable. Et ça, c'est en duo avec sa fille. D'accord. En fait, ils ont mixé sa voix, mais elle n'a jamais chanté avec son papa parce que finalement, il est décédé quand elle était toute jeune. D'accord. Et elle s'est mise à la chanson par après. Et elle reprend cette chanson de son papa et ils ont mixé sa voix avec celle de sa fille. Unforgettable. Unforgettable. Yeah. Moi, j'ai plusieurs chanteurs que j'aime bien, notamment, bah là, on va parler des chanteurs français. Il y a Alonso, c'est une génération actuelle que tu ne dois pas connaître. Il y a Djadju. Et en Belgique, j'aime bien votre chanteur qui devait faire l'hymne national, mais qui ne le fera pas, c'est Damso. Damso. Les paroles, elles sont des carrés dans la réalité. Toujours paniqué, car toujours paniqué. Vie ou mort, mensonge et vérité. Une infinité de fins, ou une fin à une infinité. Déguisé en être humain pour un sang. Et après, sinon, je suis aussi un peu comme toi. J'aime beaucoup les musiques américaines. Voilà, j'ai plusieurs chanteurs que j'adore, comme Chris Brown. C'est un de mes préférés. Je suis ouvert à tout style de musique et voilà. Et ma chanson vraiment préférée, c'est une chanson que j'ai depuis tout petit. C'est à la Clairefontaine. C'est une chanson qui est vraiment basée que sur le foot. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est à la Clairefontaine. C'est une musique qui est basée que sur le foot. Ah ok. Voilà. C'est en fait Clairefontaine en France, c'est un centre de formation, pour les jeunes. Et voilà. Et donc il y a des chanteurs qui l'ont basé que sur le foot. Performance comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps. On se fait avec passion. Avec passion. Sur quel style de musique tu danses à la maison? Bah, on a pas mal de fêtes de famille parce qu'on a une grande famille, beaucoup de petits enfants. Et alors, pour mettre l'ambiance, bon, généralement, on met le Barry White. Barry White, c'est Let the Music Play, par exemple. Ah. Ouais, Barry White, hein, c'est Barry du White, grand Barry hein, White. C'est du Barry White. Ah, c'est du Barry bon, White. Là, il y a pas mal, il y a une tonne de musique, tu vois, donc... Et là, ça on met dessus, donc, quand on a un peu... Quand tout le monde a un petit peu l'ambiance, alors on met du Barry White ou du Claude François. Hein, c'est aussi le traditionnel Claude François, Barry White... En général, dans les familles, c'est toujours les mêmes qui reviennent un peu. Toi, tu chantes très bien dessus. Moi, qu'est-ce que je chante bien? Je chante pas dans le vestiaire que vous chantez, mais peut-être dans la maison que tu chantes. Non, je chante un peu de tout, mais pareil, je suis un peu comme toi, j'oublie la moitié des paroles. Donc, non, mais j'aime bien. Non, c'est pas ça. J'aime bien Dadju, donc on va trouver. Allez, douce. Ouais, ouais. Et là, tu connais un peu les paroles, un petit peu. Toute la nuit, Pinko Dadju, je veux passer de lui. Ouais, ça va, je connais un peu, ouais, pas trop. Ouais. Ça, j'aime encore bien entendre aussi. C'est... Ouais. Ouais, non, c'est des musiques douces, j'aime bien, sous la douche. Ouais. Voilà. Je sais que l'amour c'est compliqué, mais avec... Est-ce que tu es amateur d'écouter de la musique avant un match pour te préparer ou pour te concentrer? Moi, c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique avant un match parce que j'aime bien être dans ma bulle, que ce soit à l'entraînement ou pendant la compétition, même quand je vais à la salle de muscu, j'aime vraiment bien être dans ma bulle, faire mon travail à moi, donc j'écoute souvent de la musique. Le style de musique que j'écoute,
Un peu de tout, ça dépend du moment. Quand je me rapproche du coup d'envoi d'un match, j'écoute plutôt des musiques un peu plus toniques ou voilà pour me tétaniser, pour me mettre dedans. CDC, non. Voilà, ouais, voilà, ouais, exactement, voilà. We'll be right back.